Et donc, on revient dans cette piste de ski. Bonjour à tous. Et on va peut-être arriver dans le dernier niveau de la piste de ski. Bon, attendez, ce fil de mon casque me fait chier. Voilà. Là, c'est mieux. Là, il est mieux, là. Là, on est bien. Là, on est en condition pour jouer, là. Voilà. Ça, c'est fait. Et alors, avant qu'on y aille... Je tenais... On va y aller par... Oula, ça lag énormément, là. Oula, là... Ah, c'est bon. Oh, ça laguait, ça m'a fait peur, là. Oui, on va y aller par de là où on est arrivé au départ. Je préfère. Et avant qu'on y aille, juste petite précision, je me souviens d'un espèce de chalet. Je crois que le dernier niveau, justement, il y a un espèce de gros chalet. C'est tout ce que je me souviens. Mais... C'est justement devant ce chalet-là que j'avais, je crois, définitivement arrêté Dog's Life. Et pourquoi je ne l'avais pas terminé. Et c'était justement ce moment-là où je vous l'ai déjà raconté, où j'étais parti en vacances de ski. Enfin, en vacances de ski. J'étais parti à la montagne, quoi. Et, oh putain. Et je crois que justement, on va arriver à ce fameux niveau-là devant lequel j'avais arrêté. Et donc, la suite sera complètement inédite. Ma foi, je crois qu'on s'approche quand même énormément de la fin. Attention, c'est parti. Alors, c'est quoi? Grand rue. Eh ben, je crois que c'est pas le gros chalet qu'on voit là-bas au fond, là. C'est pas un chalet, alors c'était un bâtiment. Eh, c'est ça, hein. Eh, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà, je crois que là, on est devant le dernier niveau que j'avais fait. Et je me souviens très exactement où j'étais. J'étais ici, je crois. Quand on m'a dit Kishnefu, on y va. Voilà, j'étais là. Je vous jure, hein, mais je me souviens comme c'était hier. Mais c'est dingue. Oh là là, et là, il y a un télésiège. Mais attendez, on peut... peut-être qu'on peut y aller. Peut-être que le télésiège va nous emmener en haut de la station de ski, non? De là où on était tout à l'heure. Eh mais c'est génial, hein. On va commencer avec les odeurs. Bah tiens, allez hop. On va prendre toutes les bleues. On s'occupera des jaunes après. Enfin, si je trouve toutes les bleues. Ah, là, il y en a une. Ok. On va commencer fort, hein. On s'en fout. On va prendre aucune odeur violette. On va prendre que les bleues. Pour commencer comme ça. On va commencer fort. On sait même pas quel chien il y a. Mais c'est pas grave, on va le découvrir dans pas longtemps, quand j'aurai trouvé l'autre. Mais où est-elle? Putain, non. Pourtant, là, c'est dans le coin, ça c'est sûr. On voit quand même qu'on s'approche du dernier niveau parce que ça devient vraiment compliqué. Bon, c'est pas grave, on va prendre les autres odeurs en attendant. Ah bah voilà, là, nickel. Et donc c'est quoi? Oh, un Yuski! Ça a bugué un peu là. C'est ce que je vous avais dit. À un moment on aura un Yuski, et bah voilà. Oh, il est trop beau! Faut que je creuse. Creuse. Allez, go! Putain, mais oui, oh, il est trop mignon. Par contre, je sais pas du tout ce qu'on peut faire avec lui. On va devoir faire quoi? Traîner un espèce de traîneau. Avec toujours la super musique. Allez. Bon, rien de bien compliqué quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a le chiffre 8, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'à 8. Bon, franchement, ça, depuis le début du jeu, ça c'est pas vraiment compliqué. D'ailleurs, je vois pas comment on pourrait compliquer ça, hein. À part faire des énormes distances entre les trucs, mettre des obstacles entre, bah tiens, bah comme là, comme ce qu'il va y avoir, et je sais pas, faire en sorte que le chien contre qui on se bat soit beaucoup plus rapide que nous, et du coup, ça en deviendrait extrêmement compliqué. Mais voilà, je parlais d'obstacles, on vient d'en avoir un, bon, c'est pas exceptionnel non plus, hein. Il aurait fallu même que lui ne l'ait pas l'obstacle, comme ça aurait été encore plus compliqué. Enfin bref, là ça va, ils ont pensé à ceux qui savent pas trop bien appuyer sur le bouton. En tout cas, voilà. Oh, il est trop beau, mais regardez-moi ça! Oh, je sais pas. Non. Non, je sais vraiment pas ce qu'on peut faire avec lui.
Peut-être entrer dans la maison là, non? Dans le bâtiment. Ah putain, il y a Cortana qui m'a niqué les oreilles. Oh putain! Je suis monté. Attendez, je vais juste baisser le son de mon ordi parce que là, je me fais agresser par Cortana. Ça, c'est quand je dis un mot qui ressemble à son prénom, du coup elle me bug dans les oreilles. Attends, je me replace. Est-ce que oui? Alors ouais, est-ce que je peux monter? Peut-être que je pouvais pas. Bah si, je pense que je peux monter avec Jake. Mais qu'est-ce que je pourrais faire de spécial avec lui? Je J'adore vois ça. Mais pas. au fait, je cherche quoi déjà? Bah oui. Peut-être qu'il a dit. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis bloqué! Tu plaisantes? Je suis bloqué. Bon bah je vais attendre la fin du temps imparti pour pouvoir être débloqué. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, d'accord, j'étais sur le balcon. Oh, c'est quoi ça? Oh nickel! Non, attendez, me dites pas que j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Non. Je pouvais pas le faire avec Jake, ça? Mais au fait, je cherche quoi déjà? Peut-être si, parce que. Merci de m'avoir ramené mon hélicoptère. Si, si. Tiens, voilà un os. Pas Je mal pour une mission si matinale. sais pas, parce que. Sachant que là, il a eu une espèce de bug au niveau Oh, c'est vicieux. de son dialogue. Il dit, qu'est-ce que je fous là? À mon avis, c'est une indication pour le joueur pour dire que c'est pas ça qu'il doit faire. C'est pas là où il doit aller. Donc, je sais pas si je pouvais le faire avec Jake, ça. Je pense que si, je pouvais quand même grimper. Enfin bon. Donc là, les jaunes, à mon avis, c'est du pipi. Ça va être un concours de pipi. Hop. Hop. Et pipi time! Ouais, c'est ça. Un jeu de pipi, Alors, mais pour les ça, c'est plus quand même assez maniaques, complexe, hein, et mine de rien. montrer qui commande. Parce qu'il suffit de faire un peu de la merde. Et que lui, soit assez intelligent pour nous faire les carrés qu'il faut. On peut facilement se faire avoir. Donc du coup, on va déjà se faire un petit carré ici. Voilà, comme ça c'est fait. Lui, je sais pas trop ce qu'il fout. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se prendre pas mal de. Putain, lui, il en a un autre carré. On va essayer d'aller prendre ça avant lui. Hop! Comme ça. T'es nickel. Ah non, 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 il va me le prendre. Ah ouais, il me l'a pris. Ah ouais, c'est con ce que je fais là. Là, c'est très con ce que je fais. Je vais retourner là. Ah, c'est pas grave. Je vais lui reprendre, je vais lui reprendre. Je m'en fous. Ah non, mais là, ça va être un combat d'autiste, mais je m'en fous. Je suis sûr, j'aurais continué, il aurait toujours fait le même. Putain, mais il vient vraiment me faire chier, hein. Ah, mais lâche-moi. Oh, mais qu'est-ce qu'il est chiant. Je devrais aller ailleurs, mais bon, j'ai pas envie de. Non, mais. Ce truc de merde. Ah, faut atteindre 29 en fait. Putain, bon allez, je vais faire cela. Putain, du coup, lui, il a le temps de m'en enlever plein, cet enfoiré. Allez. Non, mais je vais t'avoir, hein. Je vais t'avoir, mon petit, je suis un peu plus rapide que toi. Donc, au bout d'un moment, je vais bien t'avoir. Allez, allez. Bon, ok. C'est pas grave, on va faire ça. Là, je peux très bien avoir ce carré-là. Ah, ouais, je pense que. C'est bon! Oui! Ah, pas mal, là. C'était tendu quand même, hein. Bon, c'est bien. Je sais même pas où elle est la niche. Est-ce que je l'ai déjà vue au moins? Il me semble que oui. Bon, on va commencer un petit peu à récupérer les odeurs. Ce serait pas trop mal. Est-ce que je les ai récupérés ici? Je ne crois pas. Non, je ne les ai pas récupérés. Ok. Ok. Oula. Putain, mais arrête de sauter de partout, Jake. Là! Sans puanteur. Puanteur, ah oui. Oui, ça Ouais. m'a Bah bien écoutez, paru plus il y en a logique. eu déjà pas mal ici dans ce coin. Hein. On n'a pas encore été voir le reste du niveau, mais on a déjà 8 et 8, 16. Et 13, 29 odeurs déjà. Est-ce que là, j'ai pas envie d'essayer parce que sinon on va aller dans un autre niveau. Mais c'est pas grave, j'essaierai peut-être tout à la fin, je sais pas, on verra. Là, on récupère comme Ça d'habitude. sent Tiens, le c'est quoi pain. ça? C'est encore un chat? Miaou! Miaou!
J'ai failli choper. Allez, je veux te choper. Mais il m'aime bien, je vous dis. Il m'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un perroquet. Il doit être là-dedans, non? Oh, mon perroquet, t'es beau. Vas-y, perds tes plumes. Ça, c'est une statue de quoi, ça? C'est qui? C'est le maire? Je vois pas qui c'est. Je vois si ça pourrait être un indice de quoi que ce soit. Ah, oh, cool. On va se laver un petit peu. Ça, c'est bien, ça. Même si, bon, depuis le début, on est dans la neige, donc ça va, ça nettoie bien déjà la neige. Et voilà, on est tout beau, tout neuf, tout propre. Jake a besoin d'un bon nettoyage de printemps. Mais c'est fait, hein, mon petit. Et voilà le travail. Voilà. Allez, il bug, là, il est en train de bugger. Est-ce qu'il y a des odeurs, non? Il n'y a pas l'air. Bon, c'était juste pour venir se prendre une petite doudouche. Là, il y a le minouche, là, dégage. Il y a pas mal de monde. Il y a pas mal de gens qui marchent et tout, c'est sympa. Non, lui, je peux pas lui parler. Ouais, il est assez complexe ce niveau par rapport aux autres, c'est marrant. Est-ce que je peux rentrer dedans? Ouais, je peux rentrer dedans, putain. Faudrait que j'essaye à la fin. Pour voir si ça me ramène à la piste de ski. Ou alors, c'est un autre niveau qui est en pleine montagne et tout. Ce serait un truc de dingue. En même temps, je dis que ce serait presque normal parce que... À Clarksville, on avait eu beaucoup plus de niveaux que ça. Là, on en a eu quoi que 3. Donc, ça pourrait être logique. Et là, faut que je creuse. Eh, j'ai même pas regardé encore le... En mettant la pause. Pour savoir combien je dois prendre d'os. Alors, 1, 2, 3, 4, 5... Mais c'est sombre, je vois pas. Ah, 3... Attends, mais c'est carrément sombre. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, bon, 8 comme d'hab. L'autre, je lui ai déjà ramené son hélicoptère. Bon, bah, nickel. Bien. Est-ce qu'il y a des choses derrière, là? Histoire que j'oublie pas. Non, il n'y a rien. Et du coup, alors, là, ouais, on peut encore continuer, quoi. Oh, mais c'est un truc de fou. Et mais c'est super long. Il y a encore plein de niveaux. C'est un truc de malade. Là, ah, bah, la niche, elle est là. Voilà. Quelle? Ah, bah, tiens, on va faire celle-là. Et du coup, ouais, on peut pas prendre les odeurs en même temps. Et ça, c'est dommage. Non, mais franchement, ça, c'était hyper compliqué sur la glace. Parce que maintenant, là, bon, à part les savoir où elles sont, je vois pas trop où est la complexité, quoi. C'était le plus dur, c'était vraiment dans la glace, quoi. Attendez, je ferais peut-être mieux de me taire parce que... Là, j'en vois plus. J'en vois plus. Je suis dans la merde. J'en vois plus. Il n'y en a pas derrière le chalet, là-bas? Non. Et allez! Ah, punaise. Ah, j'ai parlé trop vite encore. Non, mais j'aurais... Ah! Oui! Non! Oh! S'il vous plaît! Non, c'était pas ça. S'il vous plaît! Oh bah, j'ai perdu. Mais merde, mais elles étaient où? Attendez, c'est quoi ça? Attendez, on vient de là? Mais il y a ça aussi? Ah, mais... Oui, c'est vrai qu'il y avait plusieurs... Ah, mais oui! Oui, il y avait plusieurs entrées dans ce niveau. Ouais. Donc ça doit être l'autre entrée. Oui, même que je vous ai dit, on va rentrer par là plutôt. Ouais, ça doit être l'autre entrée. Faudra bien que je vérifie, histoire que je me replanifie un petit peu dans la tête l'architecture des niveaux. Ouais. Bon, par contre, ça m'embête un peu, là. L'autre odeur, parce que... Il m'en manquait quand même deux, je crois. Et j'ai aucune idée de où est-ce qu'elles peuvent être. Donc bon, on va refaire, c'est parti. Est-ce qu'il y en a déjà au moins derrière moi? Non. Il n'y a pas l'air d'en avoir derrière moi. Donc, on va continuer. On va faire ça. Ça. Une bonne odeur d'aisselle. Là, on va faire une espèce de chemin. Voilà. Donc, lui, il a l'air de nous indiquer d'aller par là-bas. Donc, on va aller par là-bas.
Y'a que dalle. On est d'accord, y'a rien là. Ici non plus. Ici il doit y en avoir là. Il y en avait tout à l'heure. Ah bah d'accord. Y'en a plus ? Mais attends, mais j'ai pas compris là. Il me semblait qu'il y en avait. Oulala, là là, j'ai parlé trop vite encore moi. Il dit ouais, je vois pas trop la difficulté, c'est trop simple. Mais non, non. C'est pas ça. Je veux voir si je pouvais y aller avec Jake. Ah bah oui, vu qu'il y a des odeurs. Ouais. Ah bah tiens, il y a quoi là-dedans? Il doit y avoir un os. Os tastique. Non? Ah si. Oula, c'est... d'accord, ouais. Ah tiens, il y a... Récupérer. Oh, ça doit être pour quelqu'un, ça, non? Je ferai plus tard. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, mais on peut pas y aller. Ah, si, on peut y aller. Shop. Ouais. Il y a des odeurs. Tiens, on peut monter ici. Sauf que ça sert à rien. Mais ça va, on peut entrer dans les bâtiments. C'est marrant. Ok, bon. Il y avait juste une odeur cachée. C'était pour nous dire, ah, ah, c'est la dernière, tu la trouveras pas tout de suite, moi. Ah, ah. Eh ben si. Est-ce que je peux monter? Non, là, je peux vraiment pas monter. Si je tombe, je reviens là où j'étais tout à l'heure. Ok, on va continuer à monter parce que j'ai vu qu'on pouvait. Mais à mon avis, ouais, tout ça j'aurais pu le faire avec Jake. À mon avis, ouais, j'aurais pu le faire, ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh putain, ça glisse. Ah non, en fait, j'aurais pas pu. Parce que lui il glisse alors que le Yusuke ne glisse pas. Ah putain, ouais. Et bah, franchement, j'ai eu, mais vraiment un énorme coup de moule. C'est fou. Bon, mine de rien, on s'approche déjà de ce qu'il nous fallait. Y a pas un mec à qui je peux parler? Parce que je sais qu'il m'en manque un, là. Putain, il y a là-bas, il y a les télésièges. Il y a encore pas mal de trucs, j'ai l'impression. Bon, on va retenter le défi, c'est parti. On va essayer de passer par là, cette fois. Ouais, bon, on va suivre. Là, il y a rien. On va suivre ici. Ok. On va suivre là. 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 Là derrière, t'es d'accord, y'a rien. Hein, non, y'a rien. Donc ok, on continue. Mais c'est que là, y'a vraiment que dalle là. Attends, il est fatigué? Oh merde, quand tu t'enlèves de l'odeur. Merde, mais quel con! Quand tu te lèves de l'odeur, il... ça te considère comme perdu, quoi. Mais en même temps, il est crevé. J'aime pas quand il est lent. Voilà. Vas-y, pouf. C'est bien. Donc là, t'es en forme. Là, t'es revigoré. Et là, on va pouvoir réussir le défi. Eh, mais... Putain, je m'en veux presque d'avoir dit qu'il était simple tout à l'heure. Parce que franchement, il est pas si simple du tout. On y retourne. Et de 1, et de 2, et de 3, ça va nettoyer mes sinus. Et de 4, et de 5, 6, 7, 8. Putain, ils sont où les autres? C'est dingue ça. 9. 10. Mais... Et la suite? Ah! 11. Il est où? Ah! Ah! Allez! Mais non! Allez! Je vais pas y arriver. 12! Il était chiant celui-là. Eh, hey, pas mal. Toi, t'as rien à me dire, toi? Non, t'as rien à me dire. Je peux aller là? Non, je peux pas y aller. La niche, je sais toujours pas où elle est, si elle est là-bas derrière. Ok. À qui est-ce que je peux parler? Toi, je peux pas.
quoi je peux pas non plus. Attendez, normalement il y a des odeurs. On doit voir dans le ciel celui qui n'a jamais été seul. Au moins, excusez-moi. Bon, ça c'est le Yuski. Est-ce qu'il faut que je prenne le télésiège? Non. Non, quand même pas. Non, mais j'ai forcément loupé quelque chose ici. Attendez. J'ai forcément loupé quelque chose. Un truc évident. Toi, non, je peux pas te parler. Lui, c'était tout à l'heure, mais il en a plus rien à foutre de moi maintenant. On va faire le tour. Ah, on peut monter ici. Ah, oh là là, il y a des trucs là. Ouh là là. Ah ouais, ici on avait vraiment rien foutu. Bon bah on va monter ici. Nickel. Sur le coup, on va devoir encore aller sur le toit. Ah. Peut-être. Ah oui, d'accord. Ah, on va répondre. Ce serait énorme. Attendez, on va continuer à monter ici. Mais en fait, on aurait peut-être même pu y aller avec Jake ici. Non, il veut pas. Non, il veut pas. C'était juste pour nous montrer qu'il y avait une possibilité. Par contre, il nous manque encore une seule putain d'odeur, quoi. Mais elle sera peut-être à l'intérieur de la baraque, là. Même pas. Même pas. Oh non, on se retrouve encore avec une odeur sans... Oh, bon, tant pis. On va encore chercher. Oula, il s'énerve. Zut, le téléphone est en dérangement. Et cette fichue radio n'aimait pas. Ça doit être encore l'antenne. Comment je vais faire pour envoyer mon message? L'antenne, elle est sur le toit, donc j'ai besoin du Yuski. Si le téléphérique fonctionne, je devrais pouvoir monter et réparer l'antenne radio. Ouais, par contre, avant, je te pique ça, s'il te plaît. Non, tu veux pas, Jake. Tu veux pas bouffer. Bon, bah écoute. Tant pis pour toi, hein. Moi, je te proposais un bon repas. L'antenne. Si le téléphérique fonctionne, je devrais pouvoir monter et réparer l'antenne radio. Il faut peut-être que je n'y aille ici avec le Yuski et qu'il monte là. Mais je vois pas d'antenne. Par contre, est-ce qu'il y en a une là-haut? Je sais pas. Je vois même pas où elle est. Tu veux pas sauter là? Putain, il veut pas sauter. Si le téléphérique fonctionne, je devrais pouvoir monter et réparer l'antenne radio. Ah, mais attends, il vient de dire un truc important là. J'avais pas entendu, désolé. Si le téléphérique fonctionne, je pourrais monter, réparer. Ah! Donc il faut que je fasse fonctionner le téléphérique. Si le téléphérique fonctionne. En même temps, avec ton accent, le téléphérique! Oh ouais! Putain! Mais comment je peux le faire fonctionner? En plus, il me manque une odeur, ça me stresse! Mais attends. Si je vais dans le téléphérique, je vais aller dans un autre niveau, et à mon avis, il faut aller dans l'autre niveau, réparer la truc, et revenir ici ensuite. Oh non, ça serait chiant. Oh, en plus, il me manque une odeur, je déteste ça. Ce serait pas par ici, non. Bon, on va aller voir le téléphérique. On s'en occupera plus tard. Ce serait pas là à côté, là, non? Non, bah non. Ça aurait été trop simple. Allez, mais recule. Oh, putain. Voilà. Donc, normalement, ça, c'est le local. Sauf qu'il y a que dalle. Bon, bah... Et si je monte dedans, qu'est-ce qui se passe? Mais vas-y, monte. Mais là, je vais dans un autre niveau. Sommet. Ouais, non, mais ça, je suis désolé, mais non. On le fait pas. Nanana. Non, on le fait pas. On va redescendre et on va choper la dernière odeur. Et ben, on s'en fout si t'es coincé, parce que de toute façon, nous, on va pas rester. Ce que fait voir, là, ouais, il y a plein de trucs à récupérer, oui, évidemment.
Bon bah voilà, ça vous avez un aperçu du prochain niveau. Maintenant on redescend. Je vois pas, il dit si le téléphérique fonctionne, mais ton téléphérique il fonctionne très bien. Hein. Enfin bref, il faut que j'y aille et à mon avis dans ce niveau là où on a été dans le sommet, il y a un moyen de réparer l'antenne radio. Enfin bon oui, il parlait du téléphérique, c'était bien sûr une indication pour nous, pour qu'on puisse savoir où aller. Ok. Et là du coup il me reste qu'un seul os, enfin deux, mais voilà, le seul os là qui me manque c'est l'odeur. Et je crois qu'on va encore galérer. Oh non, t'es fatigué. Oh non. À bouffer s'il vous plaît. Ah oui, je vois un tonneau là. Putain, je déteste quand il est comme ça, c'est horrible. Allez. Oui, heureusement il y a quelque chose à bouffer. Ça c'est bien. Bon bah, ok, on est parti pour 20 minutes de marche, c'est parti. Essayons d'être stratégique. Déjà, putain non mais il est déjà fatigué, hein. Je le trouve lent. Je trouve vraiment lent. Il faudrait aller dans des endroits qui sont assez ouverts là. Mais là on y a déjà bien été quand même. Putain il est fatigué déjà. Pff, c'est chiant. C'est tout con. Je suis sûr que c'est tout con. Là il y aurait rien. Il y aurait pas même là-bas au bout rien. Rien là, rien du tout. On va aller derrière le chalet. Comme ça on sera vraiment sûr et certain. Non, toujours rien. Et Jake est toujours aussi lent. Merci. Regardez-moi le. Faites que je le trouve. Ah ! Ah non, putain, mais la fausse joie de merde. Bon, j'espère que vous n'êtes pas pressé, hein. Je suis sûr en plus aller dans un endroit fourbe. Mais hyper fourbe. On va remonter. Allez. Peut-être dans le magasin, là où j'avais dit que c'était la dernière. Finalement, c'était peut-être pas la dernière. Peut-être encore une. Allez. Ah non, mais il va rien avoir là-dedans vu qu'il y avait l'os. Et ouais, il y a rien. Et là, parmi tout ça. Ah oui, au fait. Attends. Et c'est quoi ça? Du coup, mais c'est quoi? Attendez, mais qu'est-ce que c'est? Je sais même pas ce que ça représente. C'est pas un truc pour son antenne. Mais attendez. Ça doit bien servir à quelque chose, ça, non? Je crois qu'en plus, quand je le prends, les oiseaux me suivent, non? Et ouais, ils me suivent. Mais ça veut dire quoi, ça? Ouais, ils me suivent. Et alors? Mais... Putain, mais ça veut dire quoi? Je découvre, là. Attendez, mais à quoi ça peut servir? Je vais les emmener au truc radio, mais bon. Allez, si je peux le renverser, ce serait pas mal. Voilà. J'ai la peau du ventre bien tendue. Mais ça va servir à quoi, ça? On va aller vers le téléphérique. Je sais pas. J'avoue que... Je sais pas trop ce qui se passe. Ils me suivent encore? Ah, ils me suivent encore. Je vais pas rentrer dedans, ça servira à rien. Là c'est assez marrant. J'avoue que je fais un truc, je sais pas vraiment pourquoi je le fais. Putain, j'ai mangé, il est encore lent. Hein. Bon, en même temps ça me permet de regarder un petit peu aux alentours. Mais je ne trouve rien du tout. Ce serait pas par ici là, là au bout. Non? Aïe, aïe, aïe. Et les oiseaux qui me suivent encore. Je sais pas quoi ça sert.
Attends, attends, il y a des tonneaux là. Oh oui, c'est bon. Yes. J'ai la peau du ventre bien tendue. Voilà. T'as heureusement qu'il y a des trucs pour bouffer parce que dis donc. Non mais là c'est horrible. Là c'est horrible. On va l'amener vers le gars. Comme ça il va être content, il aura des oiseaux pour lui tenir compagnie. Fonctionne, je devrais pouvoir monter et réparer l'antenne radio. Tiens, regarde, il y a des oiseaux avec moi. Non, ils sont pas rentrés. Et si même je le mets là, ça sert à rien. Ils font quoi les oiseaux? Ils sont nuls. Bon. Mais franchement, ça me saoule, je sais même pas quoi ça sert. C'est un peu débile. Et en attendant, je trouve pas mon odeur. Bon, je vais le garder en bouche le truc, hein, ça coûte rien. Par contre, j'aimerais bien remonter. Non, mais non, il n'y aurait pas une odeur sur le balcon. Le balcon, non, c'est pas possible. Et mais où est-ce qu'on aurait pu la louper? C'est dingue! Je suis sûr, là, elle est là, en plein milieu de la route. Là. Même pas. Même pas. Même pas. Vous êtes méchant, franchement, là. Là, vous êtes vraiment méchant. Putain, j'ai quand même... venir là, non? Non, mais non, mais non! Je veux remonter ici pour voir. Parce que je sens que dans le magasin, il devait encore rien avoir. Il y a un truc que j'ai pas fait ici, il y a un truc où j'ai pas été. Là derrière. Non. Il y a un truc que j'ai pas vu ici. Non. Non, je peux pas monter sur les trucs là. Ah putain! Et si je descends. Ouais non, maintenant je peux pas descendre là. Ah c'est ouf. Là, ça sert à rien ici. Mais non, ça sert à que dalle. On est dans la mouise. Dans la vraie mouise. Là, de toute façon, c'est pas la peine, je glisse. Bah ouais, je glisse. Tout ce que je vais faire, c'est me fatiguer. D'ailleurs, je suis déjà un peu fatigué. Je vais aller revoir le perroquet. Peut-être que... Mais dégage! Peut-être qu'il va me lyncher un paix. Et comme ça... Ouais. Là, je vais pas aller là-bas parce que sinon je vais me faire nettoyer. Vous allez voir qu'en fait, l'odeur, elle va être tout au début. Comme par de Lazare. Ah là 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 là. Non, ben non, j'en avais déjà pris. Bon, on va y aller. Mais là, je crois qu'on revient... ouais, café. Café, mais attends. Oui. Est-ce que je l'ai encore le truc là dans ma bouche? Ah ouais, je l'ai encore. Hamburger, curry, surprise. Il a faim. Mais à quoi ça peut servir ce truc à oiseau? Ah, mais peut-être qu'on le saura au sommet. Le gars, il va nous dire de ramener un truc à oiseau, peut-être. Putain, je sais pas. Et si... Et ici, là. Ici, je crois que c'est la piste de ski, là. Même pas. Et ça nous amène au même endroit? Attends, mais... Je comprends rien. C'est quoi le menu du jour? Ah, mais alors... Attendez, je crois savoir. Quand on va tout droit, tout en face, c'est la piste de ski.
Si je vais là-bas tout au bout, c'est la piste de ski. Donc du coup, ça veut dire qu'il ne resterait que le sommet à faire. Pour la prochaine fois. Et après, on quitterait Lake Minnewawa pour remonter dans le train. Ah, ou alors, en fait, on pouvait utiliser ça pour attirer les oiseaux ailleurs. Non, bah non. Bon, bah, je sais pas. Putain, l'odeur, mais l'odeur. Mais pourquoi tu montes pas, là? Mais pourquoi t'y vas pas? Il est fou, ce chien. Ah, on va passer une heure, hein. Non, là, je vois pas. Bon, je le lâche, le truc. Je veux à manger, putain, je veux à manger. Et où est-ce qu'elle peut être, cette putain d'odeur? Non, mais je crois que de toute façon, je vais faire une coupure. Si c'est trop long, je fais une coupure, c'est pas possible. Ce sera tellement chiant de me voir faire ça. Et là, si je descends ici... Ah! Non, mais même là, y a rien. Même là? C'est ouf. Il n'y aurait pas un vers l'arbre là? Même pas. C'est désespérant. Mais j'étais de partout là, non? Enfin, vous êtes d'accord, non? Je veux tester ici là. Je veux voir si, si on arrive bien à la piste de ski. Oh non, il y a encore un niveau! Oh là là! Mais attends, mais du coup, je me pose une énorme question là. Où est mon repas? Non mais l'autre il a encore faim, mais c'est pas possible. Je me pose une question parce qu'à la piste de ski... Attendez. Je me pose une autre question. Hey, Jake meurt de faim. Parce que je comprends rien à l'agencement des niveaux là. Parce que... Attendez. Je vais repartir. Voilà. Ah mais c'est là la piste de ski. Putain, en fait j'étais parti et revenu au même endroit. Oh mais quel con. Ok, donc c'est là la piste de ski. Donc c'est bon ça. On a vu ce que je voulais voir. Ah, par contre il manque toujours cette putain d'odeur. Putain, si vous pouviez me parler pour me dire où est-ce que j'aurais pas encore cherché. Le chat, aide-moi à trouver. Aide-moi à trouver, vas-y, emmène-moi. D'accord, il s'est fait écrabouiller. Emmène-moi où elle est. Emmène-moi. Emmène-moi où elle est. Mais tourne pas en rond, putain, il est con ce chat, je vous jure. Alors on est dans une impasse là, hein. Putain. Je sais qu'il y a une poubelle là-bas. Vite, vite. Dépêche-toi. 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 Merci. Il y a un bug, c'est pas possible. Il y a vraiment un bug. Comment je fais pour pas la trouver? Ça fait 30 fois que je fais le tour. Mais je suis bile. Vous l'avez vu déjà ou pas? Pour tout vous avouer, je viens même d'aller voir sur internet et je trouve rien. Je suis complètement en mode dépitation. Ça fait une heure que je cherche. Et je trouve rien. Mais bon, je n'abandonnerai pas. Je vais continuer à chercher. Quitte à ce que j'y passe tout mon putain de samedi. Quitte à ce que je ne bouffe pas. Je vais trouver cette putain d'odeur. Thank you.
Non. Non, regardez. Elle est là. Non. Attends. Ça veut dire que... Putain. Non. Non. J'avais dit en venant dans le magasin. Ah tiens, il y en a une qui se cache là, elle est fourbe. Mais le pire, c'est qu'il y en avait encore une autre qui se cachait derrière les cartons, putain. Ça fait une heure que je cherche. J'en pouvais plus. J'étais à bout. J'ai même eu honte d'aller voir sur internet. Mais j'ai rien trouvé, heureusement. Et j'ai trouvé par moi-même. Vous allez pas le voir, mais... Fuck le jeu. Putain. Putain, 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 putain. Je veux sortir de là maintenant, s'il vous plaît. Je veux sortir de là. Donc, bref, si on résume. Il nous reste l'hôtel, le sommet, et après on aura terminé. Après, enfin, terminé dans la neige. Et après on pourra prendre le train et je pense qu'on arrivera au dernier niveau. Je pense pas qu'il y en ait 36 000 après, même si je connais pas. Merde, il est là-bas. Ouais, je pense que... Je pense qu'après, bah, c'est simplement là où est Daisy. Pour aller la libérer, délivrer. Non, je ne fuguerai plus jamais. Et puis... Voilà. On pourra dire que j'aurai enfin fini le jeu. Mais en tout cas, c'est pas pour le moment. Il nous réserve encore pas mal de surprises. Et bah, c'est parti, on peut s'arrêter là. On va aller dans notre petite niche. Voilà. On va s'endormir. On va sauvegarder. Et du coup, eh ben ça va me laisser le temps de vous dire de bien retourner à vos occupations. Et ciao à tous.